si je devais donner un conseil aux visiteurs qui découvriraient cette animation, ce grand rendez-vous, ça serait de s'imprégner de ce qui se passe, qu'ils franchissent les douves du château et qu'ils aient l'impression de rentrer dans une seigneurie du XVe siècle. Un conseil, c'est d'oublier le monde d'où vous venez et laissez-vous porter par les gens qui sont là, l'histoire qui se déroule sous vos yeux, et oubliez que vous êtes quelqu'un du XXIe siècle. C'est la première chose à faire. Le petit conseil que je pourrais donner aux gens qui découvrent, ça serait de prendre le temps. De prendre le temps de tout analyser, de tout regarder, d'écouter ce qui se passe entre les personnages, de ne pas hésiter également à poser des questions, à intervenir, à interpeller un petit peu les gens, et à se laisser porter par ce qui se passe dans le scénario, ce que vivent les personnages, et quelque part ils vont y contribuer à ce scénario. J'ai l'impression que les médiévales, c'est une grande pièce de théâtre avec de nombreuses personnes qui sont en costume. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir comme première impression cette idée de laisser courir ce qui est en train de se passer, alors que finalement toutes les personnes sur place sont très accessibles et qu'il ne faut pas hésiter à aller vers eux.